Good morning, Alaïd, et nous sommes aujourd'hui le Nishmat Chayester, Bat Myriam, Etzrak Perez Ben Fortuna, et Chaim Michael Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhat Shabbat, Perek Tezain, Mishnah Zain. Kofin Kehara al Gabe Aner, Bishvel Shelot Echos Bakora. Veal Tsoa Shel Katan, Veal Akrav Shelot Ishach. Amar Biouda, Maase Balifne Rabban Yochanan Ben Zakai Ba'arav, Veamar, Choshashni Lo Mechatat. Trois sujets dans notre Mishnah. Le premier, c'est Kofin Kehara al Gabe Yaner. On a le droit de mettre, de retourner une Kehara, comment dire, une cruche, une coupe, al Gabe Yaner, au-dessus d'une flamme, d'une veilleuse, mais juil shelot echos bakora, pour que le feu ne va pas se mettre à prendre sur la poutre qui passe au-dessus. Ça veut dire, en fait, vous avez allumé les veilleuses, vous n'avez pas fait attention qu'il y a un bout de bois qui sort au-dessus. Or, d'ici peu, chas bechalila, ça peut tourner au roussi. Comment? Ben, c'est simple, la flamme, elle risque de faire chauffer un petit peu le bois, et ben, sauf, au final, ça va s'allumer, ça peut chas bechalom, déclencher un feu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Éteindre le feu, ce sera interdit. Mais il y a quand même une solution simple, c'est que tu amènes, tu débrouilles une coupe, un ustensile, qui ne va pas prendre le feu, bien évidemment, un verre, et tu le retournes, tu le mets à l'envers pour protéger la poutre. D'accord? C'est permis de le faire, parce que tu touches pas le feu, il n'y a pas de problème. Il y avait, entre parenthèses, je vous dis, puisque le Bartonora en parle, donc je vais fidèle au Bartonora, il y avait éventuellement un petit problème de Mokhtse, à savoir, c'est une notion un peu plus subtile, c'est que s'il y a une chose que je n'ai pas le droit de déplacer à Shabbat, il y a un avis qui pense, c'est pas retenu dans la Lacha, il y a un Tosotomitov qui parle de taxi. Si j'ai une chose que je n'ai pas le droit de déplacer pendant Shabbat, j'ai pas le droit non plus de déplacer un objet pour protéger cet objet. On va prendre un exemple simple. Vous imaginez, vous avez laissé votre téléphone, un ordinateur par terre pendant Shabbat. Le déplacer, c'est un grand problème. Il y a éventuellement un endroit qui permet de le pousser avec le pied, même ça, c'est discuté. Mais donc maintenant, vous l'avez laissé par terre. Vous avez peur maintenant que quelqu'un va marcher machinalement dessus et puis il va mourir comme ça. Donc vous avez une solution. C'est d'apporter un ustensile, une boîte, et que vous allez retourner pendant tout Shabbat, vous allez la retourner dessus, comme ça, au moins un maximum, on trébuche et on bute. Sur la boîte, sur la caisse, et pas sur l'hôtel. C'est permis. Mais il y a un avis qui pense que c'est interdit, parce que si j'ai pas le droit de déplacer une chose, j'ai pas le droit non plus de déplacer un objet pour cette chose-là. Et là, c'est là le chidouche de la Mishnah, que même si la poutre, tu n'as pas le droit de la déplacer pendant Shabbat, parce que c'est du karka, mais choubar la karka, c'est un moukté, tu auras le droit de déplacer malgré tout l'ustensile, le récipient, pour protéger la poutre malgré tout. Pour éviter que le feu se propage, là on t'a permis. Ok? Et je continue. Valtso Hachalkatan, alors littéralement, et sur des excréments de petits. Donc on pourrait parler d'un. On pourrait parler d'un. Excuse-moi. Il y a un moustique. Et on pourrait parler d'un. Littéralement, on a l'impression qu'on parle qu'il y a eu un enfant qui a fait dans la cour, par terre, et on voudrait mettre un ustensile dessus. C'est comme ça que ça pourrait être traduit. Seulement, l'Agmara repousse. La Gemara repousse cette interprétation parce que si un enfant il fait par terre pendant Shabbat, c'est pas moukté les excréments. C'est pas que c'est pas moukté. C'est réellement moukté, mais c'est un moukté qu'on a le droit de déplacer. Ça, c'est un principe de grave chalerie. Quelque chose qui est écœurant, sale, on a le droit de le déplacer pendant Shabbat. D'accord? Donc, pour avoir un lieu propre, c'est permis. Il y a une permission spéciale. Donc, c'est pour ça que la Gemara explique qu'on parle d'autre chose. On parle d'une tsoa, des excréments, mais devant un petit. C'est-à-dire, en fait, on explique qu'on parle de tsoa, shelter negolim. D'excréments de poules, de volailles, ils ont fait, il n'y a rien à faire avec ça, et c'est pas si, et il l'a fait dans le Khatser, d'accord, plus précisément dans Hashpashab Khatser, dans le lieu, dans un coin de la cour, où c'était pas très dérangeant en soi-même, seulement le problème qu'on a, c'est qu'on laisse les enfants jouer dans la cour, et l'enfant, il risque de partir, et de se salir dessus, donc on a le droit de prendre une ustensile et de le mettre dessus, d'accord. Veal Akrav Shalotijar, maintenant un tout autre sujet, qui n'a pas vraiment de rapport, en fait, si ce n'est le fait que tu déplaces un récipient pour des choses que tu n'avais pas le droit de déplacer en théorie. C'est là le dénominateur commun entre eux tous. Donc, vers la crabe chez l'otichar, et sur un scorpion pour qu'il ne te morde pas. Tu n'as pas le droit de déplacer le scorpion, mais tu as le droit d'apporter un récipient, de le retourner dessus, comme ça il ne va pas te mordre. Comme ça, c'est rapporté dans la Mishnah. Or, ça pose problème. Parce qu'on est en train de transgresser l'interdit de Tzad, de capturer. Sauf que,
C'est vrai qu'on transgresse l'interdit de Tsad, mais avec Melacha Shenatzecha Legoufa. De manière générale, Tsad, l'interdit de capturer quelque chose, c'est parce que j'ai besoin de la chose. Je capture ce que vous voulez, un cerf, parce que je veux l'avoir. Je capture un animal, parce que je veux qu'il soit le mien, je veux l'apprivoiser. Or là, je ne suis pas en train de le capturer parce que je veux en faire quelque chose. J'élève pas j'élève ni des serpents et ni des scorpions. C'est juste que j'ai peur qu'il me morde. Donc en fait, je ne suis pas en train de le capturer parce que je le veux à lui, mais je suis en train de faire la somme de capturer avec une autre intention. Et c'est une marloquette. Et la halakha, je crois qu'on tient comme Rabbi Shimon, que c'est qu'il n'y a pas d'interdit mina Torah, d'où la permission ici dans notre Mishnah, qui va te permettre de retourner le récipient dessus. Mais ça se complique un petit peu plus, et j'avance d'abord dans la Mishnah, après on explique. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Maaseh Valifnei Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Ba'arav. Il y a eu une fois où il y a eu cette histoire qui s'est produite devant Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Ba'arav. Ba'arav, c'est une ville en arabe, en Arabie, je ne sais pas. Et lorsque cette action, cette histoire s'est arrivée dans lui, que quelqu'un lui a raconté, ouais, il y avait un scorpion, et puis il a retourné un récipient dessus, Ava Amar, il a dit, je crains qu'il a peut-être transgressé un interdit de la Torah de capturer un animal. Concrètement, la halakha nous dit comme ça, que, tout d'abord, il y a deux cas de figure. Il y a les cas de figure où il y a des animaux dangereux, ça peut être un scorpion, un serpent, un chien enragé, la Gemara propose encore même une tsir'a, je sais pas comment ça se traduit, c'est pas une abeille, un bourdon, mais un bourdon dangereux, quoi, qui peut faire. Alors dans ce cas-là, tout cela, s'ils sont en train de nous poursuivre, on a le droit de les tuer pendant le Shabbat, c'est une permission qui a été donnée parce que ça canette nefeshot, ça peut on peut mourir. Je sais pas si on parle des bourdons à notre époque, je sais pas si on meurt d'une piqûre de bourdon aujourd'hui. Si oui, oui, sinon non, d'accord? Et donc s'ils nous poursuivent, on a le droit de les tuer dans tous les cas. S'ils ne poursuivent pas, alors là, il faut faire une différence entre des animaux qui sont franchement dangereux, qui peuvent, même s'ils sont pas en train de, ils ont pas encore vu, le serpent il n'a pas vu que je suis là. Mais dès qu'il va voir que je suis là, imaginez qu'il va venir. Réellement, je crois que la Gemara dit qu'un serpent ne tue pas toujours. Ouais, il a plus peur de nous qu'on a peur de lui, je crois. Si on ne l'agresse pas, s'il n'est pas menacé, il a plus tendance à fuir. Du coup, si il y a des animaux dangereux, par exemple un chien enragé, c'est sûr qu'il va vous mordre. Donc là, on a le droit de le tuer a priori. Si c'est un animal qui n'est pas sûr qu'il va vous tuer, en l'occurrence le serpent, alors là, la Gemara explique comme ça. T'as pas le droit d'aller le tuer, franchement. Mais ce que tu fais, c'est que, si vous avez le cran de le faire, vous faites semblant de marcher à côté de lui, et puis si vous le tuez au passage, en faisant même un peu exprès de poser le pied dessus, vous pouvez le faire. D'accord? Mais on n'a pas le droit d'aller le tuer, franchement. Ça s'est discuté dans la halakha, pourquoi est-ce que, concrètement, il me semble que c'est fondé, en fait, sur le fait qu'on tient. Qu'on tient comme Rabbi Shimon qu'il n'y a pas d'interdit mina Torah puisque je suis pas en train de le tuer parce que je le veux. Je veux pas son cadavre, j'en ai rien à faire. Je veux pas le capturer non plus. Donc en fait, premièrement, on part sur une base qu'il n'y a pas d'interdit mina Torah. Donc du coup, on veut pas que tu fasses ces choses franchement, que tu transgresses franchement le Shabbat, même Béissour des Rabbanan, sauf s'il y a un vrai danger. Mais malgré tout, on va te permettre de le faire avec chinouille de manière à ce que ce soit pas franchement explicite. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.